Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation. Alors, comme vous avez pu le voir sur la vignette, nous allons commencer ensemble notre fil rouge avec Gwen et Myriam. Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix en Pagaille et Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Notre toile de Noël, notre KS chouchou, pour ma part, en 14 CT, qui fait 95 cm par 1,25 m. Je vous rappelle qu'elle a 102 couleurs, ce n'est que du point de croix. Et je vais la broder en deux brins. Alors, j'ai décidé de prendre cette toile dans ce sens-là. C'est vrai que d'habitude, je prends toujours les toiles comme ça. Là, je me suis dit, tout le monde la commence en fait par là. Je vous laisserai aller voir où Myriam a commencé, où Gwen a commencé également. Je ne sais pas. Pour Myriam, si. Mais Gwen, je ne sais pas du tout. Donc, moi, j'ai décidé de la prendre comme ceci. Et on commence là. Voilà. Donc, ce sont les feuilles de pin avec les oranges séchées. Voilà, on va commencer par là. Il est où mon fil? Ah, j'ai perdu le fil que j'avais sorti. Bon, attendez, je reviens. Ça commence bien. Alors, je pense que je vais être obligée de faire la vidéo en deux fois parce qu'on est mercredi. Vous verrez cette vidéo que la semaine prochaine, hein, mais je m'avance un petit peu. Je vais essayer l'aiguille qui est fournie avec le kit. Et mon enfil aiguille, hein, parce que sinon moi je n'y arrive pas. Donc on est avec du coton égyptien. Je vais essayer sans la cire. Je vais voir si j'y arrive. Voilà, donc, oui, et forcément, il va falloir que je décale. Donc, je suis sur ma table de salle à manger. Hop. Allez, on est parti. Donc, je commence avec ce petit symbole. Alors, je tire ma nappe. Je vais la tenir avec mon genou. Et on y va. C'est parti. Voilà la première croix sur cette superbe toile. Je suis trop contente. Je suis trop, trop contente. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, il a plu. En tout cas, ce matin, puisqu'il est 11h10. Ouais, je vais pas rester très longtemps parce que il va falloir qu'on aille manger bientôt, puisqu'on part à 1h30 avec mon fils. Il commence à 15h. Et me suis dit, tiens, tu vas commencer un petit peu ta toile de Noël. Alors après, il n'y aura pas forcément des vidéos à chaque fois que je l'avancerai, hein. Là, ça va être compliqué pour que je travaille, vous savez, par case. Et encore que, j'ai peut-être une idée sur comment je vais faire. D'ailleurs, on va le faire. Je vais finir ça. Et puis, je vais aller chercher de quoi écrire sur la toile. Oui, oui, je vais écrire sur ma toile. Alors, la toile est raide. Bon, après, ça fait comme du spring. Hein. Ce sont les mêmes toiles. Hein. Même toile. Le fil est peut-être un peu moins sec que chez spring. Ça se brode super bien. L'aiguille
passe bien aussi. Alors, j'ai une abonnée qui m'a demandé si la toile avait la grille. Et non. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas les repères. Hein. Il n'y en a que en haut et à gauche. Après, en bas et à droite, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que travailler par case, il va falloir que je fasse autrement. Mais on va le faire ensemble, comme ça. Si jamais vous voulez le faire de votre côté. Je vais faire comme ça et on va l'arrêter. Là. Alors, je l'ai pas mis sur cadre. Pour l'instant, j'ai pas envie. Donc après, je n'en ai plus dans le secteur. Ok. Hop. Donc le numéro 13, je vais le ranger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause le temps d'aller chercher un stylo qui s'efface à l'eau. Voilà, je suis allée chercher ma petite boîte, hop, dans laquelle j'ai ceci. On va prendre l'argenté. J'aurais dû prendre un papier. Je me rassois. Allez, hop là. Je me remets ma serviette. Alors, je vais déjà tester le. Oh, super. Alors, eh bien, on y va. Alors, je ne vais pas écrire dans la toile. Donc, on va y aller. On va voir où est-ce que ça s'arrête, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ça ne va pas se voir. Le voyez-vous? Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Et là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ici. Voilà. Bon, je sais pas si je vais garder l'argenté. J'ai perdu le bouchon, mais c'est une catastrophe aujourd'hui. Hein. Il est là. Je sais pas si je vais garder l'argenté. Hein. Ok. Allez. Donc j'ai ma trace. Alors ensuite, eh ben on va faire ça. Alors ça, j'avais regardé, ça doit être le numéro 5. Je contrôle hein, parce que je démarre tout juste, donc... Ouais, c'est ça. Allez, le numéro 5. De toute façon, on va être sur des marronnés. Alors moi, je n'enlève pas le fil. Directement de la cartonnette, vous savez. Je prends... Je vais y arriver. Hop. Comme ça. Ça évite que mon fil s'entortille. Surtout le coton égyptien.
Voilà. Je sens que cette vidéo est brouillonne. Mais c'est pas grave, on fait avec. Alors. Allez, on est parti. Donc, on sur celui-là. Alors, j'espère que vous avez meilleur temps que moi. Et encore que j'ai l'impression, c'est en train de se dégager. Ouf, ça serait bien. Comme il faut qu'on parte à 1h30, ça serait bien de faire la route sans la pluie. Alors, la toile. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la toile est un petit peu dure. Il faut le temps qu'elle s'assouplisse. Je suis très contente de mettre mes premiers points sur cette toile. Très contente de la faire en plus avec les copines. C'est dommage que le patron n'existe pas pour celles qui voudraient la faire en point compté. C'est dommage. Alors, je vais y aller à mon rythme, hein. Je vais pas me précipiter. À la broder, faire de grosses avancées. Hein. Après, moi je sais pas faire de grosses avancées d'un coup, c'est pas possible. Donc, alors je suis en train de me rendre compte quand même qu'il y a des mini blocs. Il y a des mini blocs sur cette toile. Regardez ici, là il y en a deux, là il y en a trois, là il y en a deux. Bon, là après on peut passer ici. Et vous savez, hein, moi je coupe mon fil. Hein. J'arrête mon fil. Alors en 14 CT, c'est très fin. Si vous êtes allé voir la vidéo de Gwen, elle l'a en 16 CT, puisqu'il y avait plus de 14. Et ça va être encore plus fin que nous. Elle va être magnifique en 16 CT aussi. J'avais hésité, hein. 14, 16 ans. Et je vais l'arrêter par l'arrière. Et au final, ben, j'ai pris la 14. Alors, et la toile est sèche, hein, on a. J'ai du mal à. J'ai les trois là. J'en ai que deux. Attendez. Et là le truc. Voilà. Hop. Suis pas bien installée. Et ben alors. Là.
Allez. Donc, mercredi, milieu de semaine. Tant mieux. Comme ça, le week-end approche bientôt. Et la première semaine, non, la première semaine. La deuxième semaine sera finie. Il restera plus que 4 semaines avant les vacances. Je suis folle. Bon, dites-moi, sur quelle toile est-ce que vous brodez en ce moment? Est-ce que vous êtes monoprojet ou est-ce que vous aimez en broder plusieurs? Après, vous pouvez très bien en broder plusieurs, mais avoir une toile que vous avancez plus particulièrement que d'autres, comme moi avec ma fille rousse, par exemple. Alors, je ne vais pas aller jusqu'en haut. Je vais mettre mon fil en attente. Donc là, j'ai mis 100 points du coup. Ça c'est bon. Ben, on va faire justement ce symbole-là, comme il y en a un petit peu partout. Comme ça sera fait. Ou quoique, non, on va faire ça. C'est quoi? Ça ressemble à un T. Je l'ai vu tout à l'heure. Oui, enfin, comme j'ai la toile à l'envers, donc c'est comme ceci. C'est le 68. C'est un vert foncé, le 3021, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc j'ai dit le 68. Alors, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. 68. Ah, c'est un marron comme ça. Ok. Sur la... Comment? Sur le livret, il le montre plus vert. Bon. Bon, après, on est sur les branches de pin, hein, donc ça ne peut pas être un vert pétant non plus. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai un nœud. Bon, ça, je le rangerai après. Je le rangerai tout à l'heure. Allez, on va finir avec ce fil-là. Et on va être 11h30. Je vais aller faire mon repas. Bon, c'est une toile, à mon avis, qui va prendre du temps. Parce que il y a des zones blocs, mais il y a des zones petits blocs. Et oui, et oui. Allez, on y va. Et il y a les chiens-chiens qui aboient. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en aller-retour. Le fil est très agréable à broder.
Donc, je me suis bien habituée au coton égyptien. Le 14, la toile est de très bonne qualité. 14 CT. Oups. Je tire un peu mon fil. Voilà, vous m'entendez pas beaucoup, hein. Je suis complètement plongée dans ma toile, hein. Pour ça que je pense que celle-là, vous ne la verrez bah, très peu sur la chaîne, je pense. En blabla, ça serait compliqué de discuter dessus. Ou alors, vous la verrez sur ma deuxième chaîne en ASMR. Si vous voulez la voir, dites-moi. Parce que c'est vrai que je me concentre quand même pour la broder et ne pas me tromper. Ça fait joli, hein? Regardez comme les points sont réguliers. Ça fait trop beau. Bon, je tiens le fil. Je fais la vilaine. Vous m'avez perdu là. Alors, je ne l'ai pas mis sur Q-Snap. Mais lorsque t'arrives-t-il, tu tires le fil. Ouais, je ne l'ai pas mis sur Q-Snap parce que. Bah parce qu'après, pour le ranger, c'est un peu problématique. Et que là, au moins, bah, je peux la re-ranger dans sa boîte. C'est mieux en fait. Parce que dans ma pièce, j'ai plus de grands sacs, vous savez. Bon, après, j'ai les grandes pochettes en A3. Je conserve de toute façon le carton. Mais bon. Faire la broder comme ça. Hop là. Alors, je suis comment là? Hop.
On va faire cela. Bon, il faut que la toile s'assouplisse. Hein. Je ne l'ai pas travaillé. Bon, après, faut quand même que je ménage mon bras. Hein. Il faut que je conduise. J'avais pas du tout prévu en fait de filmer. Mais comme aujourd'hui ça va plutôt pas mal, je me dis que c'était l'occasion. Maintenant, bon, faut pas non plus que je force. Donc, on va finir ce fil et puis après, j'arrêterai la vidéo. On fera une petite demi-heure, même pas 25 minutes. Sinon, je vais la mettre en pause et puis je ferai une deuxième partie ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal ça. Alors j'ai choisi une zone qui n'est pas très bleue. Enfin, qui n'est pas très bloc. Si, mais il y a des petits blocs de partout, en fait. J'ai pas choisi la simplicité. Alors, je vais passer mon fil en dessous pour pas qu'il se voie. Donc, hop, regardez. Je vous l'avais déjà montré, hein, mais bon, je suis ici. Il faut que je pique là, et mon fil est là. Donc, je vais faire ça. Hop. Et je vais faire. Et là, vous voyez, il ne se voit pas. Et je reviens là. Tac. Voilà. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce n'est pas du zèle, hein, que je fais, c'est que je n'aime pas voir mon fil sur l'arrière traverser de partout. Voilà. Si vous, ça vous dérange pas, ben vous faites comme vous voulez. Hein. Ça fait plus propre. Alors, hop. Ah là, mais pourquoi j'arrive pas à le prendre dans ce sens? C'est un truc de fou. Voilà. J'arrive pas à attraper mon ciseau non plus. Allez. Ben on va faire ça. On va faire celui-là, on va prendre par là. Et je m'arrêterai là. J'en ai quatre.
Voilà. Hop. Voilà. Voilà pour ce démarrage. Allez, bah écoutez, moi je vous laisse pour le moment. Je vais faire mon repas. La journée continue. Et puis, ben, si j'ai le temps ce soir, je vous reprends un petit peu plus. Passez une bonne journée et à plus tard. Pour vous, c'est tout de suite. Hello. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Alors, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait du vert, j'ai fait du gris. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait ça. Par contre, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais fait de mauvais repères. Tout simplement parce que je suis en bas de page et que donc je suis au niveau de la page 42. Voyez, et là, il n'y a pas 10 points. Donc, j'ai pris ma page, j'ai calculé mon nombre de points ici et je les ai bien reportés. Voilà. Donc, si jamais vous faites comme moi et que vous marquez des repères sur vos toiles, pensez à bien contrôler bah, les repères sur le livret qui est très bien fait. Donc on y va, on va avancer un petit peu plus. Oups. Alors, je vais terminer ces deux fils après parce que ils me gênent en fait. Donc, alors je vous reprends par contre, il est tard. Il doit être, je sais pas, presque 9 h, je pense. Attendez, on va voir. Est-ce que je peux avoir l'heure? Oh, il est 21 h 40. Donc on va pas rester très longtemps. De toute façon, je voulais faire juste un rajout de 10 minutes, un quart d'heure. Donc, alors, je voulais déjà vous expliquer mon erreur par rapport au marquage. Et puis, en discutant tout à l'heure avec Myriam, je vous ai raconté n'importe quoi. Je vous disais tout à l'heure que vous ne verriez de toute façon cette toile uniquement dans mes vidéos avancées. Mais non, puisque c'est un fil rouge, j'ai confondu avec ma sorcière. Donc cette toile-là, vous la verrez alors une seule fois en novembre, une fois en décembre. Et après, normalement, tous les 15 jours à partir du mois de janvier. Bon, tous les 15 jours pour moi, tant que il fait pas meilleur, que voilà, je verrai, hein. Mais vous la verrez dans tous les cas une fois par mois sur la chaîne. Ça, c'est sûr. Je rectifie ma bêtise de tout à l'heure. Et voilà, j'espère que j'arriverai à tenir le rythme parce que bon, entre celle-là, la Côtage, les rives de Jade, alors ma fille est rousse, mais qui va être terminée. Donc après, je reprendrai un point compté. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir répondu à mes questionnements dans la vidéo de la Côtage, donc d'aujourd'hui. Et bah, ça va m'aider un peu à peut-être mieux organiser la chaîne dans les prochaines semaines et les prochains mois, quoi. Donc, c'est bien aussi de savoir ce que vous vous attendez de la chaîne. Et donc, dans tous les cas, une fois que la fille rousse sera terminée, je repartirai sur du point compté. Alors, s'agissant de la toile Disney, c'est pas qu'elle ne me plaît pas, hein, mais c'est que c'est la toile. En fait, j'ai un problème vraiment de toile. Et Coralie,
me disait dans un commentaire que elle avait changé 3 fois de toile sur une toile, sur un patron qu'elle a très envie de broder. Hein. Mais bon, ben, elle change, ça fait 3 fois qu'elle change de toile. Alors j'espère que ça ne va pas m'arriver parce que ce n'est pas du tout agréable de pas arriver à broder finalement un patron qui nous tient à cœur, quoi. Donc bon, je vais quand même essayer de voir si en usant de techniques un petit peu différentes, j'arrive ou pas à la broder sur la toile que j'ai déjà commencé. Et parce que bon, j'ai regardé un petit peu les... Alors, les Svegart, ça va me revenir super cher. Et en 25 CT, déjà, pour réduire la taille de la toile, je suis déjà à 43 euros. Et puis bon, 25 CT, c'est quand même petit. Et je suis tout de même sur une toile en 25 CT qui fera 1 mètre, sans les marges. Donc... Laure, elle est contente. Alors par contre, depuis tout à l'heure, hein, enfin depuis que je l'ai démarré, j'ai quand même du mal voyez, à prendre comme ça. Pas évident. On continue. Je vais prendre par là. Je commence à avoir mal à la tête. Bon, il est 10 heures du soir. Hein. La journée a été longue. Là, j'ai essayé. Mon mari a une formation sur les matières dangereuses. Que son patron... lui impose en fait. Et bah, il n'y arrive pas. C'est un truc en ligne. Ils n'ont même pas de livret, rien du tout. Et là, il est sur le test final et il n'y arrive pas. Il faut 70% pour valider la formation. Et il essaye de tricher, mais même en trichant, il n'y arrive pas. Donc tout à l'heure, on était tous les quatre dans la chambre avec lui. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à avoir les 70% au minimum pour valider la formation. J'ai dit, mais c'est ridicule en fait de te donner une formation comme ça, surtout que les matières dangereuses, c'est pas, enfin, faut pas rigoler avec, quoi. J'ai dit, mais t'as pas de livret, t'as rien du tout pour le travailler quand même. Ah non, il n'y a rien. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'accident après sur les routes? C'est n'importe quoi. Il n'empêche que ben lui, il n'arrive pas à valider ses 70%. Donc j'ai dit, bah écoute, j'ai comme ça, j'ai ben tu conduiras pas de matière dangereuse. Moi, ça me convient tout à fait que tu ne conduises pas ce genre de produit. Hein. Arrivé à plus de 50 ans, s'il avait voulu conduire. Des matières dangereuses, il aurait fait la formation avant, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Elle est très agréable à broder, cette toile. Par contre, ben voilà, c'est vrai que pour rentrer le fil... dans un sens, j'ai un petit peu de mal. Donc bon. C'est ainsi. En tout cas, je suis très contente de l'avoir enfin commencé. Bon, c'est mon cadeau de Noël, mais je le brode un en avance. C'est pas grave. Alors là, je vais cacher mon fil. Donc,
je suis ici. J'ai bougé, oui, j'allais dire j'ai bougé un peu la toile. Du coup. Hop. Il va falloir que j'arrange mon fil. Alors, c'est un fil qui est hyper vivant, hein. Il glisse sur l'aiguille. Alors, ce n'est pas la même aiguille que tout à l'heure. Parce que j'ai laissé mon autre aiguille, enfin l'aiguille du kit, je l'ai laissée dans la salle à manger. En fait. Parce que là, je suis dans le bureau. Et là, ce sont. Bah, ça doit être des aiguilles de Joy Sunday. Hein. Que je dois que j'avais dans je regarde si mon que j'avais dans ma boîte aimantée là et bah, ce sont les mêmes en fait hein. Ce sont les mêmes hop allez ça hop. Ensuite on va prendre plutôt par là. Ouf. Vous voyez, il bouge. Il est pénible ce fil. Non. Ah. Bon, je vais pas en faire beaucoup non plus, mais bon, ça va me saouler. On va prendre comme ça. Et vous voyez, c'est comme ça que j'arrive pas à rentrer mon aiguille quand dans ce sens-là, c'est un truc de fou. Oh. Eh, il est 10 h du soir, tu vas pas m'enquiquiner, toi. Hein? Faut tenir le fil des deux godets. Là. Allez. Je crois qu'il va être temps d'aller au dodo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai le nez qui me gratte. Bon, j'aurais aimé finir la zone là pour vous montrer ce que ça donnait en fait. Il manque pas grand-chose, mais bah, ce sera dans la prochaine vidéo que vous verrez le résultat. Parce que là, clairement, je ne vais pas faire un fil de plus. On va peut-être avancer un petit peu ceux qui sont déjà classés. Demain, je vais vous filmer la fille rousse. J'ai trop hâte de la reprendre. Allez, hop. Ça fait joli, hein. Ça fait joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Trop joli. Alors, est-ce que c'est comme ça? Non. Ici. On va le prendre là.
moi, j'aime beaucoup broder le matin de bonne heure parce que c'est calme. Et c'est vrai que le soir, bah, le soir, c'est pareil en fait, hein. Ils sont chacun dans leur chambre. Le mari, bah là, il essaye de faire sa formation. Mais bon. Alors, j'ai trouvé un petit livret sur Internet en PDF. Mais bon, il n'y a pas tout dessus, hein. Bon, je sais pas si il va y arriver. Il lui reste 9 jours pour valider la formation. Alors là, j'ai fait un repère ici. Donc là, il y a 7 carrés, je crois. Donc ça fait 10, 20, 27. 27 sur 30. Voilà. Donc déjà, je travaille ça. Et quand ça sera fait, parce qu'il y a du boulot, hein, mine de rien, je pensais pas que aurait autant de travail sur cette toile. C'est vrai que quand on la regarde comme ça, on se dit ouais, il y a des petits blocs, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Ouais. Et puis, il y a quand même du boulot. Il y a du boulot. Bon, après, c'est du 14 CT. C'est très bien imprimé, mais il y a des symboles qui sont très fins. Là, vous voyez. Regardez, ils ont fait un symbole hyper fin. Par contre, je vais imprimer la page des symboles. Parce que comme je contrôle quand même aussi sur mon patron papier, pour ne pas me tromper, ça fait pas mal de manip. Donc, je vais imprimer le tableau des symboles. Et puis voilà. Ah mais ça monte où, hein? Ça monte où? Alors, l'objectif d'ici la prochaine vidéo, bah, ça serait d'arriver à faire ce carré. Enfin, ce rectangle, parce que c'est pas tout à fait un carré, mais bon. Est-ce que je vais y arriver? On verra. On verra ça. Bon. Je me dis, quand après je sortirai de cette zone, notamment ici, ça va être un peu plus rapide, hein, parce que. Non, on va partir en bas alors. Hop. Parce que bah, ce seront que des symboles qui sont à suivre en fait. Là, ça sera bloc. Donc ça va être cool. Allez. En tout cas, les points sont vraiment très jolis. C'est très fin.
C'est très très beau. La toile a du mal à s'assouplir quand même. Donc, falloir un petit peu de temps. Alors là, je monte, hein. Dans l'idéal, ça serait bien que j'arrête, que je finisse mon fil là-haut. Bon, après, j'ai dépassé ma zone, mais tant pis. Comme ça, je n'ai pas à revenir sur ces points-là. J'espère que je ne vais pas trop épuiser ma main. Oh, vous savez pas ce qui ce que j'ai fait. Je suis revenue de Béziers sans ma coudière. J'ai conduit sans ma coudière cet après-midi. Oh, je sais même plus si je vous l'ai dit ou pas déjà tout à l'heure. Bref, je radote peut-être. Ouais, peut-être que je radote. Je vous l'ai peut-être déjà dit. C'est pas grave. J'ai fait ça sans m'en rendre compte en fait. Disons que Kylian est rentré dans la voiture assez rapidement. Et après, ben, il fait bon, allez, on y va. J'étais en train de finir une phrase sur ma liseuse de mon livre. J'ai dit oui, on y va, on y va. Et j'ai complètement zappé de mettre ma coudière. Bon, si ça n'était pas, si j'avais pas été bien, je me serais arrêtée. J'en ai un peu marre, je vous le dis, moi. On va finir ça. Ce fil, et après, quoique le fil, oh non, on arrête, j'en ai marre. Donc, ne pas forcer ce fil-là, eh ben, il se fera plus tard. Bon, voilà, donc j'en suis ici, j'arrête là. Ah oui, ça fait 22 minutes de plus au lieu d'un petit quart d'heure, et voilà. Que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas mal, hein. Je suis contente, hein. Parce que ouais, ben j'ai presque fini en fait cette petite zone-là. Et là, quand j'aurai fait ce symbole-là, j'aurai un peu plus de 100 points, 100, je sais plus combien il y en a, j'ai dit 10. Donc 170 points à peu près de fait. Un peu plus, hein, parce qu'il y en a un peu partout. Mais c'est pour ça que j'aime pas trop m'éparpiller, parce qu'on ne voit pas vraiment l'avancée que l'on fait. Donc, objectif pour le mois prochain, avoir fait cette zone. On est d'accord. Allez, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remontre cette beauté. Voilà, la toile fil rouge que je vais broder avec ma petite Gwen et ma petite Mimi jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Voilà, donc rendez-vous une fois par mois jusqu'à ce que j'aille mieux. Normalement, à partir de janvier, c'est tous les 15 jours. Mais moi, je verrai. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous mets bien sûr le lien de la toile sur le site de Dream Stitch avec le code promo que j'ai là-bas. Et puis ben, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!